Bien le bonjour mesdames et messieurs, c'est Verzi. Aujourd'hui nous sommes au Salon Édition 2019. Alors cette année il y a beaucoup de nouveautés, notamment chez les Nikon avec la nouvelle gamme Z, les nouveaux appareils de la gamme Z. C'est une apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est une véritable tuerie. Allez, on perd pas plus de temps et on est parti. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, mesdames et messieurs, Nikon a fait beaucoup de nouveautés, notamment, enfin beaucoup, faut pas non plus exagérer, ils ont sorti le Z50, leur nouvel appareil hybride. Je vous laisse avec la vidéo de présentation, merci Nikon. Je suis actuellement avec le stand de chez Nikon, avec leur nouvel petit appareil, le Z50, qui est sorti cette année. Alors globalement, qu'est-ce que cet appareil fait de plus que les autres de l'année dernière ou des autres années? Alors ce qu'il est différent par rapport à ses confrères, le Nikon Z7 et le Nikon Z6, c'est que là on est sur un appareil APS-C, donc c'est un format un petit peu plus petit que le Z6 et le Z7. On est sur un capteur de 21 mégapixels qui peut atteindre une cadence de 11 images par seconde. On conserve une qualité de vidéo qui se rapproche de la 4K, qui est un petit peu inférieure du Z6 et du Z7. Et on a toujours une ergonomie très agréable. Vous retrouvez les molettes de Nikon devant et derrière qui sont paramétrables. Vous avez également deux boutons devant qui sont paramétrables également. Et des modes de prise de vue U1 et U2 que vous pouvez paramétrer. On a un écran orientable avec une très grande amplitude. Là, on ne le voit pas à cause du système d'alarme, mais vous pouvez carrément retourner l'écran et le placer sous l'appareil photo. La plupart des commandes sont tactiles. Et à l'aide du bouton I qui est ici, vous retrouvez les paramètres principaux pour régler votre prise de vue. Et l'avantage principal de ce boîtier-là, c'est qu'on a gagné en légèreté, on a gagné en compacité, et surtout quand on rentre notre optique 1650, on peut le glisser dans la poche, c'est extrêmement léger, extrêmement maniable. Donc voilà, merci beaucoup Nikon d'avoir répondu à mes questions. Sinon, chez Peak Design, ils ont sorti enfin leur premier trépied qui est une véritable tuerie. Donc premièrement, c'est un trépied tout fait d'aluminium qui le rend très robuste. Et sa particularité, c'est d'être un trépied très petit quand il est rangé et très grand quand il est déplié à fond. Donc quand il est rangé, il fait 39 cm, donc tout replié. Et quand il est ouvert, il fait 154 cm, ce qui est relativement grand quand il s'y connaît un petit peu en trépied. On se rend compte que 1m54, c'est vraiment pas mal. Disons que ça peut offrir beaucoup plus de possibilités à l'utilisateur. Pour un poids de 1,5 kg, ce trépied peut offrir une charge maximale de 9 kg, ce qui est vraiment pas mal. En même temps, pour de l'aluminium, c'est vrai que 9 kg, bon... C'est vrai que c'est pas mal, c'est de l'aluminium. Et avec un tout petit niveau à bulle qui permet une stabilisation, une meilleure stabilisation sur le terrain en fonction si vous êtes sur de la terre, des cailloux, des gravats, c'est beaucoup plus stable et on peut savoir si la caméra est bien centrée. Aussi sorti leur tout dernier bijou avec le Sony A6600 qui est le dernier hybride de la gamme des A6000. Vraiment, les A6000, si vous voulez faire du vlog, commencer les vidéos, je vous les conseille vraiment parce que c'est des appareils. Bon, les premiers sont pas trop chers. À partir d'un certain appareil, on commence à arriver cher. Par exemple, moi j'ai le A6500 qui précède le A6600. Il est excellent. Qu'est-ce qu'on pourrait souligner de meilleur sur le A6600 par rapport au A6500? Il y a beaucoup de choses qui changent, enfin beaucoup de petits détails, notamment un grand détail qui pour moi change toute la donne comparé à la 6500,
Déjà, le A6600 possède des meilleures batteries, des plus grosses batteries, ce qui permet d'avoir une meilleure prise en main de l'appareil comparé à mon A6500 où j'ai ma main qui ne prend pas totalement l'appareil en main. C'est vraiment pas désagréable. Et à côté, l'A6600 où on peut prendre bien l'appareil en main, ce qui est vraiment beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable. Et du coup, par la même occasion, ça offre une meilleure autonomie. Mis à part quelques détails, notamment l'écran qui est 1,69% plus grand, bon, voilà. Le Sony A6600 offre une nouvelle fonctionnalité qui, à mon avis, va révolutionner la gamme des A6000, c'est l'écran retournable. Et ça, franchement, je vais être honnête avec vous, c'est... J'ai pas de mots, en fait. Enfin, Sony, vous avez compris que vos caméras étaient faites pour vlogueurs et que ne pas avoir de retour, c'est l'enfer, en fait. C'est horrible. Donc, merci, Sony, d'avoir pensé à ça. C'était vraiment ce que je souhaitais sur les nouvelles caméras, notamment le dans la gamme des A6000. Ça fait plaisir, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les nouveautés. Sinon... Ah oui ! Enfin, le salon de la photo a fait un stand YouTubeur. Alors oui, l'année dernière, il y avait déjà un stand YouTubeur, mais soyons honnêtes, c'était pas celui de cette année. Celui de l'année dernière, déjà, n'était pas très... Celui de l'année dernière était très mal organisé. Les gens, ils ne savaient même pas que c'était un espace YouTubeur. La preuve, ils venaient manger sur l'espace, pensant que c'était un espace pour manger. Alors que cette année, ils ont fait fort. On a enfin notre propre stand, il y avait carrément une scène et tout, c'était vachement sympa. J'ai pu parler avec d'autres personnes, d'autres créateurs et c'était vachement sympa. Bref, tout ça pour dire que c'était bien mieux organisé et ça fait plaisir. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai réussi à vous répertorier d'intéressant à dire pour cette année. Alors évidemment, j'ai oublié sans doute mille et une choses que j'aurais dû parler dans cette vidéo. Mais selon moi, les choses que j'ai émises dans cette vidéo, justement, c'était les choses les plus importantes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Verzi. Moi, je vous dis à bientôt et salut !